Good morning, Alei Dan Netus. Aujourd'hui, le Nishmat Amar Mira Ben Chana Pigi Bat Esther, Nissim Ben Aouda et aussi deux fois Tefrat Marian Batla Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avodah Zarah, Perigvet Mishnah Dalet. Nodot Agoim, Vekan Kaneyem, Veyain Shel Israël, Kanus Bahen, Asurin, Veisuran Isur Hana'a, Divre Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, En Isuran Isur Hana'a. החרצנים והזגים של גויים אסורים ואיסורן איסור הנאה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים לחין אסורין ויבשין מותרין אמורייס אמורייס אני תוג'ור מורייס אמורייס וגבינות בית אונייקי של גויים אסורין איסורן איסור הנאה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה. On a du gros boulot aujourd'hui, on va toucher à plein de sujets, c'est un peu compliqué, on est une Mishnah où il y a deux énormes sujets en fait. Premier sujet, on va continuer avec le Yain Neser qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente. Pour rappel, tout vin des Goïm, on a Ramim, on fait une Xera de ne pas boire le vin des Goïm, comme on avait expliqué, pour ne pas qu'on se marie avec eux, mais leur ont donné un statut de Yain Neser comme si qu'ils avaient, comme si qu'ils avaient sacré, sanctifié ce vin pour leur idole, pour leur Avodah Zarah. En l'occurrence, puisque c'est de la Avodah Zarah, alors ça devient un Issur Anaha. Je n'ai pas le droit non plus de tirer profit. Donc première notion tout d'abord, retenez bien, l'interdit du Yain Neser, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ça implique, par exemple, concrètement, je ne sais pas, quelqu'un en France qui a un supermarché, qui vend bien sûr au Goïm, comment il fait pour vendre du vin Goï? Je n'ai aucune idée comment on fait, je suppose qu'il doit y avoir des moyens de contourner le problème. En tout cas, en l'état, acheter du vin chez les Goïm et le revendre, eh bien, c'est interdit parce que dès que j'achète le vin, j'ai plus le droit d'en tirer profit. La contrepartie, la valeur que je vais recevoir en échange, ça va être l'argent que je vais recevoir en contrepartie va être de l'argent de Issur Hana'a aussi. On revient maintenant, on aborde maintenant sur notre Mishnah. On va commencer par traduire la première partie et expliquer, c'est-à-dire comprendre les mots en soi-même, ça va pas être très complexe, mais si vous voulez bien comprendre tout le sujet, alors pour le Barthénois qui rallonge lui-même, il va falloir rallonger un petit peu. On va faire ça rapidement, Bézant Hachem. Nodot Agoïm. Nodot, c'est les gourdes, dans les cruches, dans des Goïm, qui viennent des Goïm. Vekan Kaneem aussi, c'est une sorte de cruche, de fût. Tous les lieux, tous les ustensiles dans lesquels les Goïm entreposent le vin. Donc il y a un problème que le vin s'incruste dans les parois de l'ustensile. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il y a eu Yain Shel Israël Kanus Bahen. Et du vin qui appartient à un juif a été entré dedans. Il a été entreposé dedans. Asurin, ils sont devenus interdits. Ve Isuran Isur Ana'a. On n'a plus le droit non plus d'en tirer profit. Divrei Rabbi Meir. Tel est l'avis de Rabbi Meir. Va Chachamim Omrim. Tandis que Chachamim pense. En Isuran Isur Ana'a. Il n'y a pas en eux un interdit d'en tirer profit. Soit. Donc, comme on a dit, je fais une petite liste des sujets à ne pas manquer, comme ça on va fonctionner dans l'ordre, mais en Tachem, on a dit, on n'a pas le droit de tirer un profit du Yain Neser. Même pas de le vendre. Ensuite, un fût, il faut savoir, il y a un grand problème. Autant qu'on ne peut pas faire cuire dans un ustensile dans lequel on a fait cuire quelque chose d'interdit, par exemple, si j'ai fait cuire de la viande à Soura, il y avait une casserole de viande, il y a du lait qui est tombé dedans, même si ensuite je vide le contenu et je lave la casserole, je n'ai pas le droit de faire cuire quoi que ce soit dedans, parce que l'interdit est incrusté dans les... il est absorbé dans les parois, et lorsque je vais faire cuire quelque chose d'autre, il va le recracher dedans. Aussi bien qu'il y ait un interdit de refaire cuire dedans, il y a aussi un interdit d'entreposer, ce qu'on appelle kavush, kimvushal. Le fait de laisser entreposer pendant 24 heures, alors ça fait que quelque chose de liquide, je vais prendre par exemple une casserole où il y avait dedans un goy qui a fait cuire dedans de la viande interdite, et j'ai pris ensuite une soupe que j'ai transposée dedans, une soupe même froide, je l'ai laissée dedans pendant 24 heures, et bien après ben, on considère que pendant 24 heures, kavush kimvushal, c'est considéré comme une sorte de cuisson, et ça a pris, ça s'est incrusté du goût interdit qui était dans les parois de la casserole, même si la casserole elle était propre. En l'occurrence, si je vais prendre maintenant un fût qui appartient à un égoïme, c'est même encore plus compliqué parce que le fût, en général, c'est des matières qui sont un petit peu poreuses, de l'argile. Ouais, on rapporte ici qu'on parle de chaviot ou de... Regardez, dans le bâtiment, il dit nodot, shel or, des gourdes qui sont en cuir. Ou encore kankanim, qui sont des fûts, des cruches, shel cheres, qui sont en argile. Donc ce sont des matières qui absorbent beaucoup.
De ce fait, si Israël va partir dedans, mettre directement son vin dedans, il va avoir un grave problème. C'est que s'il va laisser son vin, le Israël, pendant 24 heures, le vin va devenir interdit. Et à cause de cette situation, Chachamim ont dit que même si tu l'as fait entrer même une minute dedans, même quelques secondes, c'est trop tard, le vin il est devenu interdit parce qu'il... De peur que tu vas laisser 24 heures, parce que l'usage il est de laisser 24 heures dans une gourde, on ne boit pas du vin à gros débit. De ce fait, Chachamim, ils ont fait une xéra, ils ont dit, allez, tu ne mets pas du tout ton vin dedans. Même si la cruche elle a été rincée, parce que le goy a lui-même mis son vin, il a entreposé son vin, et donc ça s'est absorbé fortement, donc on n'a plus le droit de boire le vin qui va être entré dedans. Ça, c'est la donnée que tout le monde est d'accord. Le sujet de notre Mishnah va être maintenant de savoir, est-ce que j'ai le droit de tirer profit de la cruche elle-même? Si maintenant je me suis retrouvé avec une cruche de goy, est-ce que j'ai le droit de revendre cette cruche? Et alors là, sans ça, qu'on a une petite discussion. Et on a Rabbi Meir qui nous dit, t'as pas le droit de revendre la cruche. Pour quelle raison? C'est très simple. Le vin qui est imbibé dans les parois, c'est du yaïn neser, c'est du vin qui est interdit d'en tirer profit, ça vient des goyim. De ce fait, t'as pas le droit de tirer profit non plus ni de la gourde, ni de la cruche. Tandis que Chachamim vont nous dire, non, ils sont là. Il n'y a pas d'interdit d'en tirer profit de la cruche elle-même. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Chachamim, ça a rapporté ici, que ça a rapporté dans le Tiferet Israël, en fait, c'est de la Gemara, que celui qui achète une cruche, il ne va pas payer plus cher parce qu'il y a eu du vin de goy inclus, qui s'est imbibé dedans. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginez que j'ai une cruche qui coûte 20 shekels. Lorsque le goy va entreposer son vin à l'intérieur de cette cruche, alors, elle maintenant, il va avoir du goût de vin. Si je revends cette cruche, est-ce que je vais la revendre plus cher ou moins cher, ou au même prix? Selon Rabbi Meir, je ne sais pas ce qu'il pense, mais en tout cas Rabbi Meir interdit de revendre la cruche. Rabbi Meir m'en dit non, étant donné que l'acheteur ne va pas rajouter d'argent à cette cruche, pour cette cruche, donc finalement, les 20 shekels que je vais recevoir lorsque je vais vendre la cruche, ils vont venir en contrepartie de la cruche elle-même, mais pas du vin qui est imbibé dedans. D'accord? Ça, c'est une donnée générale. Ça doit absolument vous étonner le fait que quoi? Il y a quelqu'un qui rajouterait de l'argent pour du vin qui est imbibé dans les parois. Il faut savoir que bien sûr que ça existe. Il y a justement c'est un problème qui refait souvent surface avec les alcools. Vous savez bien que pour les alcools, il faut faire attention. Les gens ont tendance à croire que c'est permis de boire tous les alcools qui proviennent des goyim. C'est faux. Il y a des problèmes là-bas, il y a une nécessaire, parce qu'il y a un grand intérêt de faire vieillir le vin, le whisky, ou de faire vieillir toutes sortes de boissons alcoolisées, de les faire vieillir dans des fûts, dans des tonneaux, où il y avait dedans du vin qui est entreposé. Ça lâche plus de goût, ça donne plus de qualité. Donc il y a en soi-même, sur ça, on n'est pas en train de donner un cours de halakha, renseignez-vous, demandez à des rabbanim, je sais qu'il y a une liste qui sort fréquemment, avec différents, il y a même une liste qui donne différents niveaux de cache-route des alcools des goïm. Il y a, selon les alcools, il y a différents niveaux, il y en a qui sont parfaitement cachés, il y en a qu'il faut s'appuyer sur certains avis permissifs, il y en a qui sont plus compliqués, il y en a qui sont tout simplement interdits sans aucune possibilité de permettre. Du pastis, par exemple, je sais que c'est pas évident d'acheter du pastis des goïm. Il faut vérifier est-ce que c'est cachère ou pas. Enfin, on a un rave compétent dans l'histoire. Et voilà, on a fini donc pour notre propos la première partie. Il nous manque quand même un détail très important. Excusez-moi, je suis un peu pris. Mais il y a dans le Barthénora, maintenant, il nous explique maintenant concrètement. Donc, on a bien expliqué qu'il y a cette cruche, qu'on n'a pas le droit de mettre notre vin à l'intérieur, de boire le vin. Il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit de revendre la cruche tant qu'il y a le vin qui est imbibé dans les parois. Maintenant, c'est concrètement. Est-ce qu'on a un moyen d'utiliser cette cruche? Alors le Barthénora nous rallonge ici pour nous rapporter, pour nous expliquer comment cachériser. Et le saint principe, il est très simple. Il suffit de prendre de l'eau qu'on va mettre pendant 3 jours consécutifs, pendant plus de 24 heures chaque fois une eau. C'est-à-dire, je commence. On est là maintenant à Motsé Shabbat, par exemple. Alors, jusqu'à dimanche soir, plus de 24 heures à la même heure, 10h du soir, 10h, et donc plus de 24 heures, 10h, une même, ça suffit. Je vide une première fois l'eau. Je remets là-bas une deuxième fois de l'eau, et j'attends jusqu'au lundi soir, et puis après une troisième fois de l'eau, j'attends jusqu'au mardi soir, après je vais utiliser la cruche. Autre solution encore, c'est si la cruche, elle n'a pas été utilisée pendant 12 mois, alors j'aurai le droit ensuite d'utiliser la cruche. D'accord? Un autre petit détail quand même, c'est bon pour bien comprendre. Une petite notion quand même, il faut savoir que, en théorie, normalement,
Si c'était n'importe quel autre produit qu'on avait mélangé dedans, si c'était par exemple, imaginez qu'on avait du whisky interdit et que j'avais mis ensuite du whisky permis, le whisky ne serait pas devenu assourd en théorie. Pourquoi? Parce qu'on a le principe du bitoul. En général, selon la quantité qu'a imbibé dans les parois, si elle fait moins de 60 fois le volume de ce qu'il y a à l'intérieur, ça devrait être permis à la consommation. Pour le Yain Neser spécialement, il y a une khumra que le Yain Neser ne s'annule pas Bérov. Il n'y a pas de Bitoul Bérov dans le Yain Neser, pas de Bitoul Beshishim, ça ne s'annule pas même avec 60 fois son volume dans le Yain Neser. Ça va porter ici dans le Tifrat Israël, étant donné que c'est un issour grave, puisque c'est un issour Anaa, interdit d'en tirer profit. Chachamim ont empêché le. On dit qu'on ne pourra pas annuler, il ne s'annulera pas par. Lorsqu'il sera en quantité infime, mélangé dans une grande, plus grande quantité. D'accord? Il y a bien sûr pas de halakhot. Notre but, c'est d'étudier la Mishnah, pas d'étudier la halakha. C'est bien plus compliqué que ça. Ensuite, deuxième sujet de la Mishnah maintenant, on continue sur le même thème du Yain Neser, avec à présent. Achar tzanim ve'azagim shel goyim, asurim ve'isuran isur ana'a. Les chartzanim et les agim, ce sont toutes sortes de psolètes d'impuretés qui sortent du vin. Ça peut être le Martinoir, il rapporte, c'est la psolète qui va venir, les impuretés qui vont venir à cause des graines. Lorsqu'on écrase le raisin, on écrase, il y a dedans les petits grains, les petits pépins. Il y a aussi les peaux. Maintenant, on écrase tout, ouais, on est doré, c'est-à-dire on les écrase même avec les pieds, c'est l'usage. On laisse ensuite vieillir, il y a tout un procédé. Comment faire? Après, on fait évacuer tout le liquide, le vin, tandis que toutes ces impuretés, elles retombent en dessous. Il faut savoir que ces impuretés, d'abord, elles sont utilisables. On avait, à l'époque, on parle souvent dans la Gemara, de ce qu'on appelle du témed. On refaisait du vin ensuite. Je ne sais pas quel type de piquette ça devait sortir. En tout cas, on remettait de l'eau dessus, et on laissait l'eau traîner, l'eau macérée avec toutes ces psolètes du vin, toutes ces impuretés, toutes ces graines et toutes ces peaux, et ça refaisait une autre sorte de vin. Il y avait tout d'abord, il y avait du liquide, du vin concrètement, il y avait un petit peu de vin qui était encore resté imbibé, qui était resté entre toutes ces impuretés, et il y avait en plus de ça même le fait que l'eau allait prendre le goût de toutes ces peaux et de toutes ces graines de vin, de raisin. En l'occurrence, donc c'était encore utilisable. Le sujet maintenant de notre Mishnah, il est de savoir, est-ce qu'on peut ensuite utiliser ces chartzanim et zagim, toutes ces impuretés qui proviennent des goyim. On va préciser ensuite qu'on parle uniquement après que le goy ait mis une première fois de l'eau dedans. Comme, donc on fait ça, on traduit dans les mots d'abord. Achartzanim ve'azagim. Donc chartzanim, ce sont les. Je sais pas qui est quoi en fait, je crois qu'il y a des discussions en fait, c'est quoi. Est-ce que l'un, dans le Tifrat Israël, il traduit chartzanim, c'est les gar'inei anavim, les pépins. Quand on a écrasé le raisin, donc ça nous a donné des pépins. Les azagim, ce sont les petites peaux du raisin. Shel Goïm, qui proviennent des Goïm, après que eux aient retiré leur vin. Alors la Mishnah enseigne Assurin, ils sont interdits, on n'a pas le droit de les consommer, mais Issuran, Issur, Anaa. Et leur interdit est interdit, un interdit d'en tirer même profit, puisque c'est encore une source de faire du Yain Neser, c'était lui-même du Yain Neser, c'était inclus dans le même interdit. Divra Amimir, tel avait dans Amimir, tandis que Rebacha Chamim, Omrim, Chamim nous disent non, ça dépend. Lachin, Assurin, tant qu'ils sont encore humides, ils sont interdits. Par contre, Yeveshim, s'ils se sont séchés, alors ils deviennent permis. Et on explique tout de suite, comme ce qu'on a dit, c'est rapporté dans le Tifrat d'Israël cette fois-ci, qui nous précise bien qu'on parle une fois que le goy a mis une première fois de l'eau pour faire son temed. Il a fait sortir une première fois, donc il lui restait toutes ses impuretés du raisin écrasé, où il y avait dedans des petites gouttelettes de vin, il a mis une première fois de l'eau dedans, et il a fait ressortir ce liquide-là. C'est encore rendu comme du vin, ça s'appelle du temed. Ensuite, avec ce qui nous reste, alors là, Chachamim nous enseigne, pendant 12 mois, c'est vrai que c'est interdit. Mais après 12 mois, lorsque ça devient sec, ça devient complètement permis, tu as même le droit de les manger. D'accord? Maintenant, il y a écrit humide et sec, et le Bartendroit nous explique qu'en réalité, on parle de durée. Il faut nécessairement pendant 12 mois et après 12 mois. Durant les 12 mois, ils sont encore humides, encore une petite fraîcheur à l'intérieur, alors là c'est interdit. Mais une fois qu'ils sont devenus complètement secs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire, si on peut en faire des épices, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces impuretés qui sont devenues sèches, mais en tout cas, si ça vous dit de les manger, ben sachez qu'après 12 mois, ça va mieux vous permettre. D'accord? Ensuite, on passe maintenant à un tout autre sujet. On reviendra encore sur le Yain Neser, ça en parle longuement dans Avodah Zarah, c'est un des grands sujets de Avodah Zarah, justement le Yain Neser. Amories,
Morias, on dit toujours Morias, je ne sais pas pourquoi il me met des Likoud avec Mor et Is. En tout cas, ça fait Maurice. Alors Maurice, le Morias, on parle, il y a deux sujets en même temps. On d'abord, on traduit le Morias, c'est une sauce grasse qui coule du poisson. Une sorte de jus. À l'époque, c'était très fréquent de faire sortir ces jus qui coulaient avec du sang et avec du gras du poisson. Ils mettaient dedans du sel et ça leur faisait des sauces dans lesquelles ils trempaient toutes sortes de choses. Et à part ça, on parle des gvinot bet uniaki shel goyim. Des pains de gvina, de fromage, qui proviennent du bet uniaki, qui viennent du village qui s'appelait uniaki, qui appartenait à des goyim. On traduit et on va expliquer après chacun ces deux sujets complètement différents en fait qui sont inclus dans le même thème parce qu'ils ont un certain rapport bien sûr. Asurin ve isuran isur ana. Ils sont interdits d'être consommés et leur interdit est même un interdit d'en tirer profit. Telle est la vie de Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi Meir. La chachamim omrim, tandis que chachamim pense en isuran isurana. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de les manger, mais en tout cas on a le droit d'en tirer profit. Et on explique de quoi on parle. Le Morias tout d'abord. Le Morias c'est ce fameux tsir shel goyim, shel dagim, cette sauce qui va couler de cette saumure, je sais pas comment ça se dit, une sauce salée du qui va couler des poissons. Le problème était que l'usage était d'ajouter dedans, de mettre un petit peu de vin. Et de ce fait, on va retomber dans un problème de yain neser. Aval im nikarmen oshen etarvoyen. Donc, dans la mesure, il y avait certains, quand ils fabriquaient cette sauce de poisson, alors certains ajoutaient du vin à l'intérieur. Pas tout le monde, mais il y en avait qui ajoutaient du vin à l'intérieur. D'accord ? Retenez la notion. La majorité même, on peut même le dire tout de suite, je vais le présenter comme ça, ce sera plus facile pour ensuite comprendre le rapport entre les deux discussions qui ont lieu à bord. On parle en réalité que la majorité des gens ne rajoutent pas du vin, mais une certaine quantité de personnes, un certain pourcentage de la population, rajoute dedans du vin. De ce fait, lorsqu'on va acheter cette sauce du vin, alors on a une question essentielle à nous poser. Est-ce que ça provient d'un goy qui rajoute ? Ouais, on va au marché où il y a là-bas des vendeurs goyim. En théorie, on peut acheter du poisson chez le poissonnier. Est-ce qu'on a le droit aussi d'acheter cette sauce du poisson ou pas ? Alors, la question, elle est toute simple. Est-ce que le goy a mélangé du vin ? S'il a mélangé du vin, on n'a pas le droit de le boire. Et s'il n'a pas mélangé du vin, eh ben on aurait le droit de le boire. La question est de savoir, est-ce qu'il mélange du vin ? Je ne sais pas, je ne peux pas lui poser la question. Il n'est pas crédible de toute façon. Alors c'est là notre question. Rabbi Meir va nous dire, ben non, dans le doute, ce sera interdit. Même si ce n'est que la minorité qui ajoute du vin, la majorité des gens ne rajoutent pas du vin, malgré tout, puisqu'il y a cette petite minorité qui est quand même conséquente, qui existe, alors on va craindre la minorité. Et c'est d'ailleurs, c'est là le point de discussion exact, sans ça qu'il y a un rapport, on reviendra dessus ensuite, que Rabbi Meir chaïch le miouta. C'est une grande règle dans le chasse. Rabbi Meir ne tranche pas selon la majorité dans plusieurs situations. Des fois, oui, bien sûr, selon la Torah, Acher Rabbi Mlatot, on va selon la voie de la majorité. Mais dans plusieurs situations, pareil, Rabbi Meir craint que ça provienne de la minorité. D'accord ? Donc en l'occurrence, peut-être qu'il fait partie, que ce vendeur-là, il fait partie de cette minorité qui ajoute du vin, donc de ce fait, tu ne bois pas, tandis que Rabbi Meir te dit non, tu vas d'après la majorité. Ok, on reviendra dessus ensuite quand on reparlera ensuite des gvinot betuniaki. D'abord, pour expliquer l'histoire des gvinot betuniaki, on parle des fromages qui viennent en provenance de betuniaki. On reviendra dans la prochaine Mishnah sur le sujet que Chachamim ont fait une xéra d'interdire à leur consommation les fromages en provenance des goïm. D'accord, Chachamim ont fait une xéra, on ne les mange pas. On n'achète pas du fromage de goïm, même si la composition, elle est parfaitement cachère. On n'achète pas des fromages en provenance des goïms. En France, on n'achète pas des fromages qui proviennent des goïms. Il faut forcément un tampon cachère et une xéra spéciale. D'accord ? Donc ça, c'est pour les gvinot. Maintenant, à Bet Uniaki, il y avait là-bas un usage de sacrer, réserver, désigner leurs petites chèvres ou leurs vaches, de les désigner pour la Avodah Zarah. Or, si l'animal s'est devenu un animal de Avodah Zarah, le lait qui va sortir de cet animal ne peut plus être, il devient assourd, parce que ça s'appelle le petit prophète Avodah Zarah. On n'a plus le droit de tirer profit de l'Avodah Zarah, ni même de son lait qui provient d'elle. De ce fait, c'est interdit. Le problème, il est que c'est les goïms, eux, maintenant, ils ont sacré leur animal. Dans 3 semaines, ils prévoient d'en faire un sacrifice pour son idole. Et pendant 3 semaines, il va continuer à tirer du lait dedans et en faire des fromages. De ce fait, Rabbi Meir va te dire, ben, puisqu'il y a une certaine... Quand certains fromages
qui sont présents sur le marché que l'on vend, qui peuvent provenir de Bet Uniaki. En réalité, on ne parle pas que des gvinot qui viennent de Bet Uniaki. On parle de tous les fromages à cause de ceux qui peuvent prévenir de Bet Uniaki. Puisqu'il y a une minorité dans le monde de fromages qui peuvent provenir d'un animal qui a été sacré pour la Avodah Zarah, tu, Rabbi Meir Chaïch Lamiyuta, Rabbi Meir craint la vie de la minorité, il craint la présence de la minorité qu'elle finalement elle est devant toi. De ce fait, tu n'as pas le droit d'en tirer profit parce que c'est peut-être, c'est un safek, t'y crois pas, t'as pas, donc tu n'as pas le droit de boire, de manger le fromage. Tandis que Rabbi Meir, on te dit non, tu vas selon la majorité. Rabbi Melatot, c'est-à-dire, vous remarquez que sans ça, donc on a parlé de deux sujets différents. L'histoire du poisson, c'est un problème de Yeneser. L'histoire du fromage, c'est un problème de Avodah Zarah. Mais malgré tout, ils se réunissent finalement sur ce même point-là, justement. Est-ce que l'on craint que ça prouve que le cas de la minorité s'est produit? Ou bien non, on va selon la majorité. Vous savez bien, on a déjà évoqué le sujet des 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande interdite. Si on trouve un morceau de viande au milieu, on a le droit de le manger parce qu'on va dire qu'il vient de la majorité. Kol de Parish, Mirobe Parish. Tout celui qui a été poresh, qui a été retiré, si on trouve dans la rue quelque chose, on ne sait pas d'où il provient, et ben on va dire qu'il provient de la d'un magasin du cachère, puisqu'il y avait 9 magasins qui vendaient du cachère. Et ben Rabbi Meir, lui, ne va pas toujours selon ça. Il y a plusieurs, c'est très compliqué comment comprendre Rabbi Meir. Ça, c'est très fréquemment rencontré dans le chasse. Vous allez voir un jour, si vous étiez dans la Gemara, en plein milieu d'une souga de Kiddushin, on va vous dire, et le Rabbi Meir qui recherche le Miyuta, c'est justement ce même Rabbi Meir-là qu'on retrouve ici, qui craint la vie de la minorité, qui craint que la provenance de la minorité dans ces deux situations, il y en a plein d'autres en réalité, tandis que Chachamim, la Lacha, elle est établie comme Chachamim, qu'on va dire que ça provient du Rov, qui ne mélangent pas du vin, ou bien qui n'ont pas des animaux de Avodah Zarah chez eux, et de ce fait, le fromage sera permis à en tirer profit, tandis que, bien sûr, il y aura un interdit à la consommation, comme ce qu'on apprendra dans la prochaine Mishnah Bezrat Hashem. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Selah.